Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 1er au 7 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire, juste en bas de la vidéo, réservé, je suis à vous, ok? Merci Seigneur. Ma dernière vidéo. Anyway, après ça, j'ai quand même une cliente qui m'attend. Ça va aller. Dernière vidéo. Je sommeille. Allez, on y va. Hi, angels, please give me a reading for my Leos, please. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Energy October 1st to the 7th 2020. Leo's energy October 1st to the 7th 2020. Okay, Leo's. Thank you. Les Lions. Lion, puisse de partir en vous, il est probable que vous vous sentez perdu. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez besoin. Ok. Soit on a carrément quelqu'un qui vous manque, soit vous avez besoin d'affection. Vous attendez ici de recevoir l'affection d'une femme en particulier, ou on a encore l'affection, les câlins, les bisous d'une certaine femme en particulier qui vous manque. Parce que pour certaines parties, il est probable que vous avez peut-être une nouvelle copine qui ne vous donne pas cette attention. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre sous vos radars avec qui vous n'êtes pas intime dans un certain sens. Je me dis que j'ai sommeil. Je parle me coucher tout à l'heure. Ok. Pour une autre partie dans vous, as well, il est aussi probable que vous buvez beaucoup ou encore vous aimez boire pour vous sentir bien. Pour d'autres, si vous ne savez pas boire, peut-être que vous fumez ou something like that. Mais vous essayez vraiment de planer, quoi, dans un certain sens, parce que votre vie amoureuse, ce n'est pas vraiment ça. Vos émotions sont sans dessus dessous et vous essayez un temps soit peu de garder vos émotions in check. Oui, c'est une partie d'entre vous. Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez besoin de faire la fête. Vous sentez que vous avez besoin de faire la fête. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici votre téléphone qui est plein de numéros de téléphone, de femme or something, il est probable que vous essayez d'inviter une personne chez vous à la maison afin de recevoir ici cette affection-là même dont vous manquez, surtout si vous êtes un homme. Mais si vous êtes une femme à soi, peut-être que voilà, vous voulez livrer votre biscuit, hein, et puis bon, vous vous en foutez, vous voulez juste quelqu'un qui va carrément venir, you know, manger les biscuits et tout, il y en a à gogo, quoi. Over here. Mais cet acte frivole que vous êtes ici en train d'exhiber dans un certain sens, c'est ici le résultat d'un manque d'affection que vous avez de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un en particulier que vous tenez dans votre cœur, que vous n'avez pas oublié, que vous ne voyez plus depuis très longtemps, que vous voulez voir. Et c'est cette personne-là avec qui vous avez envie d'être. Pour une partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici intéressé par quelqu'un qui est végétarien. Pour d'autres, il est aussi probable que vous êtes ici intéressé par quelqu'un qui parle au serpent ou encore quelqu'un qui a carrément un serpent tatoué sur son corps ou something like that.
Pour une autre partie d'entre vous as well. Si vous êtes ici quelqu'un qui fait peut-être la drogue or something, you know, ça dépend maintenant de quel genre de drogue. Il y a plusieurs, right? Il est probable que vous et votre partenaire, vous avez ici pour habitude de faire tout ça ensemble. Si vous avez pour habitude de dormir ensemble, si vous faites les conneries, après vous êtes intime, ensuite vous dormez. Genre la vie à la Wiz Khalifa, quoi. Mais on a ici quelque chose qui vous manque et vous voulez revoir une personne, vous voulez être avec une personne. Mais on a ici quelqu'un qui n'est plus avec vous, on a ici quelqu'un qui ne pense plus à vous. Vous avez l'impression qu'une personne va revenir, mais on a ici quelqu'un qui ne revient plus. Et précisément, si vous avez ici votre partenaire qui ne revient plus, c'est peut-être parce que vous avez ici affaire à un partenaire ou une partenaire qui a changé de vie. On a ici peut-être quelqu'un qui ne fait plus la même chose que vous, you know, niveau, que ce soit alcool ou whatever, fumer, machin, tout ça. On a ici quelqu'un qui ne fait plus ça, on a ici quelqu'un qui a guéri. Pour une autre partie, on voulait aussi probable que votre partenaire est parti dans un centre de réhabilitation. On a ici quelqu'un qui a retrouvé sa pêche, qui a retrouvé sa vie normale sans avoir à abuser de certaines choses. On a ici quelqu'un qui est en train de se faire des amis. Quelqu'un qui est en train de vivre dans certaines classes sociales, quelqu'un qui est en train de se refaire. Et il est probable que vous et votre partenaire, vous n'êtes plus réellement de la même catégorie. Pour une autre partie, donc, vous êtes aussi probable que vous n'arrêtez pas de penser à une femme qui vient de se marier ou encore une femme qui est fiancée. C'est peut-être aussi un homme. Okay? So, les énergies sont interchangeables, à vous de savoir changer l'histoire. Yeah, il est probable que vous êtes ici amoureux de quelqu'un qui s'est marié, quelqu'un qui est en train de célébrer ses fiançailles, quelqu'un qui... Pas même ici quelqu'un qui s'apprête à aller à Hawaï ou encore à Miami. Mais je vois ici une blonde, c'est peut-être aussi un blond. Yeah, plus important, vous devez ici oublier une personne here. Ok, parce qu'on a ici quelqu'un qui n'est plus ce que vous pensez que cette personne est. On a ici quelqu'un qui est passé à autre chose. Yeah, ok. Une petite empathie, vous voulez réellement récupérer une personne. Vous voulez revenir dans la vie de quelqu'un. Pour d'autres, je vois réellement quelqu'un qui veut récupérer un drogué dans sa vie. I'm telling you. Un drogué ou un grand buveur de vin ou encore une grande buveuse de vin, une droguée or something. On a ici des anges qui me disent que c'est pas la peine. It's like... Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Puis c'est un bâtiment, on a essayé une situation où tout n'était qu'illusion. C'est peut-être aussi une relation dans laquelle vous avez été en 2017. On a essayé une situation où tout n'était qu'illusion. J'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à un partenaire avec qui vous avez célébré votre anniversaire. Ou quelqu'un avec qui vous aviez pour habitude de toujours célébrer. Et vous pensiez que votre partenaire allait revenir dans votre vie, mais il ne revient pas. Il y a un peu de temps, on a ici quelqu'un qui il n'est plus dans tout ça. C'est fini. C'est peut-être aussi une femme. C'est fini. Il y a quelqu'un qui a tourné la page. Non, il est aussi probable que c'est vous qui êtes, you know, alcoolique, drogué ou something, en train de penser à quelqu'un avec qui vous aviez pour habitude d'être... au 8e ciel, ben, on a ici les anges qui me disent que non. On a ici quelqu'un qui est en train de refaire sa vie, qui est en train de se marier, qui est en train de vivre. Parce qu'il est probable qu'on a ici quelqu'un qui avait un autre ex ou une autre ex ou whatever, qui est revenu dans sa vie et qui l'a demandé en mariage. Pour une autre partie, il est aussi probable que vous aviez pour habitude de... Il est aussi probable que vous aviez ici affaire à une personne qui avait pour habitude de toujours revenir vers vous. Pour vous demander pardon, quelqu'un encore qui avait toujours pour habitude de revenir vers vous pour essayer de voir si une relation peut se refaire. Pour d'autres, j'ai aussi l'impression que la dernière fois que vous avez parlé à une personne, c'était peut-être
pendant votre anniversaire, le jour de votre anniversaire ou 7 jours avant le jour de votre anniversaire. On a ici quelqu'un qui n'est plus jamais revenu. Vous êtes toujours en train d'attendre le retour d'une personne parce que c'est normalement son travail, c'est normalement son habitude. Je vois ici quelqu'un qui s'appelle Anna or something. Yana, 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 whatever. On a ici quelqu'un qui ne vient plus. C'est fini. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien. On a les cancers, les sagittaires, les scorpions, les poissons. Bisous. Bye.